Zelda a besoin que l'avant-garde soit réunie de nouveau. Pendant qu'il prépare l'assaut du Tout-Puissant, nous allons devoir retrouver Cade et Ikora. Par chance, nous avons intercepté un étrange signal du spectre de Cade, en provenance d'un planétoïde de type Centaure, appelé Nessus. Ce qui est étrange, c'est que les Centaures ne sont que de gros cailloux situés à l'extrémité de notre système solaire. Il ne devrait rien y avoir ici. Sûr que cet endroit était désert. Mettons-moi en hauteur, que je puisse localiser Cade. Nous y sommes. Je recherche le signal de Cade à présent. Je crois que je capte quelque chose. Je suis totalement dépassé. Un piège Vex. Pourquoi Cade va nous embarquer cette fois? Il y a une chose ici qui a relayé ce signal dans l'espace. Trouvons-la et nous trouverons Cade. C'est très joli. Moi, j'aime bien ce... Bon, comment on fait pour descendre? On se jette dans le vide? Ah, ça c'est agréable comme descente. Bon, on va. Là, le signal vient de cette épave. Êtes-vous ici pour sauver les Gate 6? Wow, mais vous n'êtes pas Cade? Les Gate 6 se trouvent actuellement coincés dans une boucle de téléportation. Ils se trouvent par là. Maintenant, ils se trouvent par ici. Oups! C'est la place? Ah bah, ça se complique. Je peux vous aider. Mais je risque d'être très désagréable. Excusez-moi? Pardon? Je viens de vous télécharger ces nouvelles coordonnées. Contre ma volonté. D'accord. Elle est bizarre, celle-là. Est-ce que tout va bien? Parce que... on ne dirait pas. Je suis le dispositif de sécurité de l'Exodoir. Appelez-moi Felsafe. C'est moi qui ai amplifié le signal de Cade 6 dans l'espoir qu'il soit secouru. Et regardez, voilà. Oh, j'ai compris. C'est juste une intelligence artificielle qui fonctionne mal. Je vous ai entendu. À votre service. Les Centaures sont censés n'être que des cailloux géants et gelés. Comment tout cela a-t-il pu arriver?
une entité robotique extraterrestre de l'Evex a converti 92,014% du centaure Nessos. Bon, on n'a pas rencontré d'ennemis pour l'instant. Pour l'instant. Et il est là. Il y a quelqu'un ? Écoutez, ne me demandez pas ce qui s'est passé. Je vous explique bien, mais j'ai déjà pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Attention, les Vex sont vulgarisés. Les gobelins, ça c'est peut-être là les gobelins. Hein? Ça suffit maintenant. Et ça c'est un gros. Voilà. Oula.
pas fait safe. Que s'est-il exactement passé ici? Mackenzie a essayé d'utiliser un portail Vex et depuis, il est resté piégé dans une boucle non linéaire. Pour ma défense, j'ai essayé de le mettre en garde. Vraiment pas très malin. Il y a quelque chose qui cloche. Depuis combien de temps êtes-vous ici exactement? Suffisamment longtemps pour voir les Vex convertir entièrement sur les planétoïdes, tuer tout organisme vivant, reformater toutes les molécules et numériser des ondes cérébrales afin de les étudier intérieurement. C'est un processus fascinant. Elle semble vraiment trop excitée par tout ça. J'ai vu un truc volant. J'ai presque peur de le demander, mais... Plus safe, est-il arrivé à l'équipage de l'Exode Noir? Seulement Capitaine peut accéder à cette partie de ma mémoire. Il est totalement mort. Thank you.
Est-ce qu'on doit rester bloqué comme Cade? Ah non, non. Le module de la navigation est beaucoup plus fiable que celui de l'unité Cade. Nous sommes de l'autre côté. Tout va bien. Évidemment, le Cade 6 ne devrait pas être loin maintenant. Où ça? Là. Ah, ça. Ok, ok. Oh, mais tu sers à rien. Mais en plus elle a appelé ses potes. Eh oh! Pas fini là? Aïe! Bon, toi, ça suffit là. Hein? Oui.
Oh putain, elle a rien à me toucher là. Voilà, ça c'est fait. C'est safe, nous sommes aux coordonnées que vous nous avez indiquées. Kay est bloqué dans un portail Vex. Pouvez-vous nous aider à trouver la source d'énergie qu'on sorte de là? Bien sûr, en retrouvant les deux porteurs Vex d'origine que l'unité Kay a utilisé, vous pourrez mettre fin à cette boucle et le libérer. Je peux vous guider jusque-là. Parfait. Donc, nous trouvons ce téléporteur Vex et nous le débranchons. Plutôt facile. Voilà. Il me semble que j'ai un point à mettre. 151. Là, 135, 151, 151. Pistolet. C'est mitrailleur. Critique et se mente. Voilà. Ne seraient donc pas tout à fait des robots. On va éviter de mettre les pieds dedans. Hein. Ah voilà, voilà pourquoi il faut pas mettre les pieds dedans. Ah et où? Thank you.
Et je mets les pieds dedans. Ah, la musique a changé. Et des bignous volants. Oh, en plus c'est chiant à tuer. Voilà. Un et deux. Ouais, il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Oula.
Oula. Et deux.
porteur Vex? Oui, oui. Ça, c'est le Kate qu'ils recherchent. Vous devriez le récupérer. Oh, ça t'attiraille! Je suis libre! Ouais! Wouhou! Kate, où êtes-vous? Hey! Vous avez réussi! Vous m'avez libéré! Et où est-ce que je suis? Unité Kate, vous vous trouvez actuellement près du reste du cœur du réacteur. Bienvenue dans l'Exo-Noir. La voix devient réalité. On dirait que vous avez rencontré mes nouvelles amies. Felsafe et sa jumelle diabolique est Felsafe. Lequel des deux est diabolique? Si j'avais eu des sentiments, ça aurait pu me blesser. Ah, l'air libre. Il faut aller où maintenant? Là-haut. Ah, les juges ont mis les Vex dans tous leurs états. Et par cela, je veux dire rage meurtrière. Je vais vous planquer dans l'Exo-Noir. Ici, maintenant, quand t'entends son et morceau. Les ponts 1 à 20 sont ensevelis. Et mon système de refroidissement. Je suis une épave. Oui, nous sommes au courant, Felsafe. Nous sommes au courant. Un truc détecté. Hey, c'est moi! C'est moi, Unité Kate! C'est fou! Enfin, c'est vrai! Mais vous êtes bien un important de déchu sur ma position. Nom d'une pipe. Felsafe, il me tire dessus! Je vous recommande d'éviter les tirs. Je ne serais pas trop monter que les déchus et les Vex s'entretuent une bonne fois pour toutes. Et vous serez plaisir dans ce cas. Ça, c'est vraiment un très gros Vex. Mais est-ce qu'il est vexé? Bon. Bon, il s'occupe pas de moi, c'est déjà bien. Oulé. Il est parti là-bas. Oh, c'est la guerre ici.
Personne derrière. Et où ? Ça suffit là. Jamais servi. Il semble avoir passé sa vie à reposer sur ce conteneur agricole de l'âge d'or. Je ne suis pas certain que les déchets aient été bien préparés pour ce qu'ils ont trouvé ici. Je les comprends. Mais on peut pas le prendre. Wow. Je suis déçu.
Je vais y passer toutes mes munitions, hein. Allez, 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 allez. Et voilà. Thank you.
Waouh, waouh, waouh. Ouais, non, pas les trucs volants. Hein. Oula. Oula. La fille de pute. Oh, il y en a plein. Oui. Amène-toi là. Aïe.
Où est-ce que je suis? Ah! Non, non. Oula. Et voilà. Hey, ce déchu a laissé tomber quelque chose. Bah attends, on n'est pas tout seul. Ouh. Ça c'est bien ça. Aïe. Qu'est-ce que t'es? Tiens, bouffe. Vous nous avez sauvés. Je l'ai mis sur la liste de l'équipage. Votre capitaine enregistré. Bienvenue à bord, capitaine. Ouf. Hé, baisse-toi. C'est donc vrai. La lumière vous a trouvé. Ce n'est pas que je sois jaloux, mais... N'en faites pas trop, vous me faites passer pour un débutant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez faire avec un téléporteur Vex? Je vais m'approcher de Colt. Mets une balle dans la tête. Et puis peut-être manger un sandwich. Il me reste juste quelques directages à faire. Le truc marrant avec la technologie Vex, c'est que c'est plus compliqué qu'on croit. Cade, vous n'arriverez jamais tout seul. Ah ouais, à Paris? Imaginons que vous réussissiez à éliminer Gaulle. La Légion Rouge ne servira de rien quand elle partira. Qu'elle soit victorieuse ou non. Les cabales sont des gros méchants qui font des trucs de méchants. Ça va, je sais. Non, je crois que vous n'avez pas bien saisi. Les cabales ne laissent jamais derrière eux. Il possède une arme qui peut détruire les étoiles et elle est dirigée droit sur notre soleil. Wow, on se calme, vous allez péter un fusible. Zabala a un plan. Il a besoin de vous, Cade. Oui, Zabala dit toujours qu'il a un plan, mais parfois c'est juste pour... Attendez. Zabala a dit qu'il avait besoin de moi. Vous avez vraiment entendu ces mots sortir de la bouche de Zabala? Oui, je confirme. Oh, dites-moi que vous avez enregistré ça.
Zavala ne l'a jamais retrouvée après la chute de la cité. Nous ne savons pas où elle se trouve. Surio. C'est là qu'elle a dû se rendre pour chercher des réponses. Merci. Je vous en dois une. Accès à la séquence 987. Bonjour. Vous devez être l'ami de Cade. Je m'appelle Felsafe. Ravie de vous rencontrer en personne. Je sais que vous allez sur Yo. Si vous revenez, je serai ravie de vous aider dans vos recherches sur les Vex. Nous n'aurions volé leurs affaires. C'était une blague. Voler, c'est mal, en général. Mais les Vex, ce sont des monstres robots. La moralité, par défaut, n'est pas prise en compte. Ce n'est pas un meurtre s'il s'agit de robots. N'hésitez pas à venir me voir. Tous ceux que j'ai connus sont morts et devenus poussière. Je me sens plutôt seule. Alors, la guerre rouge. Facef, l'intelligence artificielle de l'Exode Noir, est disposée à nous aider à combattre contre les Vex sur Nessos. Mais maintenant que Kaidici s'est tiré d'affaire, l'heure est venue de chercher Ikorare. Aidez-la à découvrir ce qu'elle cherche en terminant la mission sacrilège sur Yo, la lune jovienne. Niveau 15. Faites bien attention, capitaine. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je suis toute seule. Ah, oh, ces humains. Fusil de précision. C'est 53. 157 et 150. Allez. Voilà. Accès à la séquence 7874A. Il n'y a pas de point. Accès à la séquence 7874B. Corrompu. Accès à la séquence 7874C. Corrompu. Yo, nouveau monde et mission disponible. Yo est une lune de Jupiter. C'est le dernier endroit que le voyageur a touché avant la chute. Cette zone sauvage intergrouille désormais de créatures dangereuses et abrite les échos du passé. Utilisez la carte céleste pour vous rendre sur Yo et trouver Ikora. Comme vous le dites, Madame Karn, je suis très heureuse de pouvoir vous aider dans vos recherches. Les bases de données sont à votre disposition dès que vous en avez besoin. Un fusil à pompe. Il y a des trucs à faire, non? Bon, prochaine destination Yo. Hein. Allez, salut!